Bonjour à tous, je suis Tepuaro Itel-Itrei, conseillère municipale à la commune de Paea, représentante à l'Assemblée de Polynésie française et présidente du groupe Tapurahuir Atira à l'Assemblée. Je commence par cette photo, puisque tout a commencé par la commune de Paea, puisque cette photo qui a été prise en 2014 nous montre avec le maire de la commune et puis l'équipe qui courait à cette époque-là pour les élections municipales. En 2014, Jacques Graff m'a contacté pour intégrer sa liste pour les communales et donc m'a demandé de bien vouloir le soutenir et puis intégrer cette équipe pour travailler avec lui. J'avoue que c'était pour moi une nouveauté, donc c'était il y a 6 ans à peine et la politique, ça n'avait pas trop de sens pour moi. Mais j'ai accepté parce que je me disais que peut-être au lieu de rouspéter comme je le faisais tout le temps en tant que citoyenne de Paea, je pouvais peut-être agir et essayer d'apporter ma pierre pour changer les choses. La seconde photo que je choisis est celle-ci, puisque c'est une photo où je porte le t-shirt du SPCPF. Et effectivement, le SPCPF est une institution qui a eu beaucoup d'importance dans ma vie politique. Puisque lorsque nous avons été élus au conseil municipal de Paea, j'ai été élue par le conseil municipal délégué au sein du SPCPF, donc le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française. Et comme je le disais précédemment, je ne connaissais rien à la commune. Et grâce au SPCPF, j'ai appris beaucoup de choses. Entre autres, tous les rouages communaux, le fonctionnement des communes et plein d'autres choses qui m'ont beaucoup apporté. Pendant donc, que j'étais déléguée SPCPF, j'ai été entre guillemets repérée par Ivana Surdaki, qui est l'actuelle directrice générale des services du SPCPF, et qui m'a proposé d'intégrer le pôle d'élus formateurs du SPCPF, qui est vraiment une particularité du SPC, puisque ce sont des élus qui vont à travers les communes donner des formations aux autres élus. Vraiment une spécificité polynésienne et grâce au SPC, j'ai aussi tissé un réseau puisque la plupart des membres du SPC sont des maires ou des adjoints. Et moi, conseillère municipale, j'ai fait énormément de rencontres et de connaissances et aussi j'ai pu m'inspirer de l'expérience de tous ces élus qui étaient déjà là depuis longtemps. Ensuite, je choisis cette photo. Qui est donc une photo qui a été prise pendant la campagne pour les législatives, puisque en 2017, donc Jacques Graff, qui a réellement été un mentor dans ma vie politique, m'a proposé de me présenter aux élections législatives pour briguer le poste de député pour la section 2. À l'époque, peut-être on s'en souvient, il y avait eu un petit litige. Nous étions déjà à Tapurahuir Atira, nous n'avons jamais quitté le Tapurahuir Atira. Mais nous avions donc une liste un petit peu dissidente puisque le Tapura avait proposé une autre candidate, donc notre député qui a été élu aujourd'hui et moi-même. Mais grâce à cette campagne aux côtés de Jacques Graff, j'ai pu arpenter toute la section 2 qui est la plus grande section pour la députation qui m'a amenée jusqu'aux Australes, ensuite sur toute la côte ouest et la presqu'île. Donc j'ai rencontré énormément de personnes et puis avec toutes nos équipes de Paea, nos soutiens de Paea, on partait en meeting tous les soirs, en truck, on avait une ambiance fabuleuse, ça a été une expérience extraordinaire. J'ai beaucoup appris pendant cette campagne et puis on a été très fiers de notre résultat. On a quand même fait 3508 voix avec notre petite équipe et nos petits moyens, mais ça a été une très belle aventure humaine où j'ai beaucoup appris. Ensuite, donc je vais choisir cette photo-là qui, elle, représente la campagne électorale qu'on a menée pour les territoriales, puisque après les législatives, à l'approche des territoriales, le président Édouard Fritsch m'a demandé si je voulais bien intégrer sa liste pour les élections territoriales. Donc j'ai accepté et j'ai été très honorée de cette demande de sa part. Il a donc bien voulu me mettre sur sa liste pour les élections. Donc nous avons fait là encore campagne. Cette photo précisément a été prise au Fénois-Échéré puisque on a tourné, même si
On avait des sections particulières. Bon, Tautira faisait également partie de notre section. Mais on est allé en bateau un peu partout. On a fait des meetings là aussi partout aux côtés du Tapura Huiratira. Et donc, tout le monde connaît le résultat merveilleux qu'on a eu grâce là encore à un travail d'équipe avec une tête de liste formidable, donc en la personne de notre président Édouard Fritsch. Et là aussi, ça a été une merveilleuse aventure humaine à une plus grande échelle, hein, puisque là, c'était vraiment une élection avec des colistiers de l'ensemble de la Polynésie française. Mais là aussi, un très beau souvenir. Et enfin, donc, ma dernière photo, c'est une photo qui a été prise à l'Assemblée de Polynésie lorsque nous avons été élus en mai 2018, puisque, comme je le disais précédemment, la liste menée par Édouard Fritsch a remporté les élections et nous avons pu donc avoir un siège à l'Assemblée. Et donc ce jour-là, précisément, c'était le jour de l'ouverture officielle, l'ouverture solennelle. Et c'était un grand moment d'émotion et on voit, on est très couronnés, on avait tous beaucoup, beaucoup de couronnes et j'avais aussi à l'extérieur beaucoup de mes soutiens de Paya qui étaient là. Et puis cette journée était aussi particulière puisque Jacky Graf a présidé l'ouverture de la session. Et donc lui aussi, pour sa vie politique, c'était un grand moment. Et voilà, ensuite, après cette mise en place, un mois plus tard, j'ai été désignée présidente du groupe Tapura Huiratira à l'Assemblée, sur proposition du président de l'Assemblée et du président de la Polynésie. Vraiment un poste auquel je ne m'attendais pas du tout, auquel je n'étais pas vraiment préparée puisque je ne savais pas ce que c'était. J'ai été bien épaulée et puis j'ai appris au fur et à mesure et pris beaucoup de plaisir à encadrer notre groupe. Donc au début, bon, nous étions 40, aujourd'hui nous sommes 39, mais nous avons une solide majorité avec beaucoup d'élus expérimentés, des élus nouveaux également, et des gens très très investis. Une très forte présence féminine aussi, hein, puisque on peut le dire, les femmes du Tapura Huiratira sont particulièrement actives et particulièrement présentes dans tous les travaux. Et donc c'est un réel plaisir de travailler avec l'ensemble des représentants, pas que ceux du Tapura Huiratira, puisque nous avons aussi une très bonne entente avec les autres élus de l'Assemblée, parce que bon, je pense qu'on est quand même motivés par la même chose, c'est le meilleur pour notre population, et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois qu'on a une décision à prendre, c'est ce qu'on met devant nous, et c'est ce qui nous permet à chaque fois d'avancer. En cette journée spécialement dédiée aux femmes, je souhaiterais rendre hommage à toutes ces femmes qui ont inspiré ma vie, à commencer par ma grand-mère et par ma mère, qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. J'espère à mon tour, à mon échelle, inspirer d'autres femmes. Et enfin, je souhaite que la femme ne soit pas célébrée qu'une seule journée par an, mais 365 jours par an comme elle le mérite.